Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a effectué une visite ce 14 août dans les districts sanitaires de Mandélia, province du Chéri Bagrimi, précisément au centre Carter, dans le village Aligarga. Le ministre, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alexander Laskari, et de la directrice générale du centre Carter, Pej Alexander, a été accueilli à l'entrée de Mandélia par le gouverneur de la dite province, Ahmad Abdallah Fadoul. Cette visite vise à encourager la communauté dans la lutte contre la maladie du ver de Guinée. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération Tchad-UNICEF 2017-2021, prolongé jusqu'en 2023, le ministère de la Communication, la Maison des médias du Tchad et l'Union des journalistes tchadiens en consortium organisent une formation du 14 au 16 août à l'endroit des journalistes points focaux de l'UNICEF à Bakara. Ce projet a pour objectif d'engager et renforcer les capacités des 28 points focaux de N'Djamena et 10 des provinces en faveur du plaidoyer et de la promotion des droits de l'enfant dans les médias. Concrètement, il s'agit de renforcer les capacités de ces 38 journalistes sur la promotion et la protection des mineurs dans les médias et stimuler leur intérêt à produire des articles de presse favorables à l'enfance, contribuer à la production et à la diffusion des contenus médiatiques favorables à la promotion et à la protection des droits de l'enfant dans les médias et positionner les questions de l'enfance dans le débat public. Le ministre de la Communication, Aziz Mamad Saleh, est arrivé ce 14 août 2023 à Sarr, chef-lieu de la province du Moïchari, pour une visite de travail avec les services des médias. L'objectif de cette mission est d'échanger directement avec les responsables des médias publics et privés et recueillir leurs doléances afin d'améliorer la qualité de leurs services. Ceci dans les soucis de renforcer la visibilité de ces médias privés et publics à travers des couvertures médiatiques, reportages, des magazines et mettre en lumière la province du Moïchari. Selon le ministre de la Communication, Aziz Mamad Saleh, les médias publics et privés ne doivent pas seulement se contenter des couvertures médiatiques institutionnelles, mais ils doivent initier des séries de reportages instructifs, éducatifs, tout en valorisant la culture de la province du Moïchari. Dans un communiqué publié ce 14 août, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest condamne la décision des putschistes d'ester en justice Mohamed Bazoum pour haute trahison. L'organisation sous-régionale condamne cette démarche qui constitue, selon elle, une nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée à la junte de rétablir l'ordre constitutionnel par les moyens pacifiques. Pour la CDAO, Mohamed Bazoum reste le président démocratiquement élu du Niger et reconnu par elle la communauté internationale. Elle continue de s'opposer à sa détention illégale et appelle à sa libération immédiate et à son rétablissement dans ses fonctions. Dans un autre communiqué rendu public par le pouvoir militaire nigérien le 14 août, annonçant le rappel pour consultation de l'ambassadeur nigérien à Abidjan suite à des propos exagérément menaçants du président ivoirien Alassane Ouattara, relayant et prenant pour son compte avec une agressivité notoire les conclusions du sommet de la CDAO du 10 août concernant les mesures et sanctions à l'égard du Niger et de son peuple. Selon le colonel-major Amadou Abdourahmane, porte-parole du CNSP, il évoque une manipulation orchestrée par certaines puissances extérieures qui ont un agenda inavoué mais ne pouvant faiblir la détermination des Nigériens. Cette déclaration inhabituelle du président Alassane Ouattara et son empressement à vouloir réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger reflète en réalité une injonction par d'autres puissances extérieures dont le but est de préserver des intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui, indique le porte-parole du CNSP. Dans le cadre du soutien à la mise en œuvre de la politique nationale d'élevage, le ministre de l'Élevage a rencontré plusieurs partenaires qui exécutent diverses actions en faveur des éleveurs et des agro-éleveurs. Ces partenaires regroupent des projets et des institutions intervenant dans le secteur de l'élevage. Le professeur Abderrahim Awata Teib, ministre de l'Élevage et des Productions Animales, a souligné l'engagement des partenaires aux côtés de son ministère dans la lutte contre les maladies animales et la sécurisation de la mobilité pastorale. Ces actions se traduisent par la réalisation d'infrastructures pastorales telles que les points d'eau, les couloirs de transhumance
et les aires des stationnements.